Hello guys, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, on se retrouve pour un nouveau vlog. Mais cette fois-ci, on va à Yaoundé pour un mariage. Là, on va aller ensemble essayer les robes parce que c'est la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée. Donc, sans plus tarder, let us get going. Je ne vous ai donc pas dit que je suis fille d'honneur pour ce mariage, donc ce soir il y a les répétitions et je vous emmène avec moi. Bon, généralement on dit les dames d'abord, mais c'est que les garçons ont mis tellement de temps à se mettre dans le bain de réviser leur chorégraphie que je pense qu'ils ont mérité de passer en premier. Parce que là, vraiment, c'est parce que vous n'avez pas vu avant. Là, ils commençaient vraiment à maîtriser la chorégraphie. En tout cas, c'était quand même beau à voir à partir de ce moment-ci, donc je me suis dit bon, on va commencer par les garçons, on va aller chez les filles. Ma mère me dit ici que c'est parce que j'ai un peu le sang du littoral qui coule dans mes veines, sans vouloir me vanter. Quand même les filles, on se débrouillait bien, vous voyez la fluidité, la maîtrise dans les mouvements, en tout cas, on se sentait bien, on se sentait à l'aise dans les chorégraphies, hein. Parce que dès le départ, on a pris ça très au sérieux, on devait quand même honorer notre mariée de la gloire glorieuse. Bon, moi je ne sais pas pour les autres, mais en toute honnêteté, cette chorégraphie, c'était la chorégraphie la plus compliquée pour moi, dans le sens où s'accorder avec les autres et tout, savoir ce qu'on allait faire, pour moi ça a été quand même un challenge, même comme je me suis débrouillé pas mal quand même. Mais par contre, j'étais le DJ ce soir des répétitions et il fallait absolument que je rentre parce que j'avais à commander mon Yango. Mon Yango était dehors en train de m'attendre et tout. Fallait voir comment ils m'ont fait la stérénale, que je ne peux pas partir, je ne peux pas les laisser en plan comme ça. Mais bon, ça en valait la peine parce que vraiment, tout cela, ça a vraiment donné. Parce que je vous dis que ça, c'était la vidéo, on a pris en mode oui, we conquered, on a vraiment réussi la chorégraphie et tout. En plus, vous allez voir à la fin là que ça a pris feu, sauf que bon. Moi, qui avais à commander mon Yango, je devais rentrer. C'est quand ça a pris feu que j'ai dû rentrer. J'habitais loin du lieu de répétition, mais bon, la journée d'après allait être longue. Il me fallait quand même une bonne nuit de sommeil. Hey guys, vous ne me voyez pas vraiment dans les moments solo comme ça dans cette vidéo parce que c'est vraiment pas par rapport à ça. Vous l'avez compris, je suis en train de partager un mariage avec vous et c'est pas le mariage de n'importe qui. C'est le mariage d'une amie, d'une sœur, d'un mentor, d'une little mommy comme j'aime l'appeler, que le Seigneur m'a donné. Et en plus de ça, c'est le premier mariage que je suis invitée en tant que personne. Alors c'est mon invitation et c'est le premier mariage dans lequel je suis aussi impliquée. Donc je suis vraiment très contente de partager cette aventure avec vous. Donc là, on est vraiment dans les derniers réglages parce qu'on est à jour J-1, le mariage c'est demain. Les ongles sont faits, épilation faite. Donc aujourd'hui, on est en mode, on fait la coiffure. Ce soir, on a les dernières répétitions pour les entrées avec les mariés et tout et tout. En tout cas, je ne vais pas trop vous rester là à papoter sans plus tarder. On va faire cette journée ensemble. On va continuer à faire ce qu'on fait depuis le départ. Je continue de partager avec vous cette magnifique aventure que je vis. Donc, let's go. Les frères et sœurs de la mariée étaient donc en train de faire un petit discours pour lui donner un paquet pour son mariage. D'avoir à cette enveloppe qui n'est vraiment pas des moindres documents. À ce moment même, c'est 5 francs. Je prends les deux mains. Merci vraiment à ma famille d'être toujours présente. On devait se préparer pour aller se coiffer, donc je faisais un peu un tour de lieu pour dire bonjour à tout le monde et on n'allait pas tarder à y aller. Coucou Nathalie. Coucou Jenny. Alors comment tu te sens ce jour J-1 du mariage? Moi je suis tellement excitée.
En fait, c'est le moment où tu appréhendes, tu te demandes comment ça va se passer, et en même temps, tu es plein de joie. Enfin, je sais pas, je suis trop contente, j'ai trop hâte. On se retrouve tout à l'heure pour la mise en beauté. On est un peu bloqué dehors parce qu'on attend la clé pour monter à l'appartement. Ils on attend la clé. La clé ne vient pas hier. On le prend un sorti après la coiffure. Who's your guy? Erica is my guy. Hey. Non. Bref, venez juste vous dire qu'on est bloqué dehors. Voilà, nous, ça fait comme ça là. Parce qu'on attend la clé. Maman, les moustiques. Ha! Bon, on a... Wow! Okay. On attend la clé. Les moustiques sont en train de nous manger, cela c'est très grave. Maman, t'as dit ça va? Ça va, oh. J'ai la logistique. Le vlog, tu vas seulement donner, maman. Après avoir bataillé pendant quelques heures avec les moustiques, on a enfin pu avoir la clé de l'appartement et on y est allé à cœur joie. On a déposé nos valises et après il fallait réfléchir à ce qu'on allait manger parce que le truc c'est que la plupart d'entre nous n'avions pas mangé depuis le matin. Après avoir rechargé nos batteries, après avoir carburé, on a essayé de gratter quelques heures de répétition parce que certaines des filles avaient encore du mal avec la choré. Donc notre chorégraphe Erika nous a menés à la danse. En plus, il fallait dormir tôt parce que, et voilà, c'était le jour du mariage. Nous sommes donc là le 27 mai et on va aller démarrer les hostilités. Il est 4 du matin ici. Je me suis réveillée. Normalement, les autres filles sont déjà en train de se réveiller aussi. J'ai mal au ventre. Je dois repasser les peignoirs et on doit commencer à se préparer. Je vais vous montrer un peu le vrai coaxi là. On va commencer à le repasser. Hello. T'as une touche trop belle. Merci, comme toi. Oh. On ne dirait pas comme ça, mais là, la pression commence à monter parce qu'il fallait absolument qu'on commence à se préparer fort pour aller à la mairie parce qu'il s'agirait de ne pas être en retard. En même temps, il y avait les shootings photos à faire. Et vous remarquerez que toutes les filles de nous ne sont pas présentes parce que justement, il y a une partie qui a décidé de se dévouer pour partir en avance. Et l'autre partie des filles d'honneur qui est restée quand même pour faire les shootings avec la mariée parce que bon, c'est un élément important des mariages. Donc on s'est démerdé comme on pouvait se démerder. Mais bon, en tout cas, ça a commencé à être speed et ça a été comme ça pour le reste de la journée parce que c'est une journée qui va à 100 à l'heure parce qu'il y a tellement de choses à faire. Parce qu'il faut savoir, on a fait la mairie, l'église, la soirée, sans compter qu'après l'église, il y a un vin d'honneur. Donc vraiment, regardez-moi cette beauté. En plus, il faut savoir que la mariée a dessiné ses robes elle-même. C'est magnifique. Est-ce que tu sais comment je t'aime, bébé? Est-ce que tu sais comment je t'aime?
comme je t'aime et je t'adore. Hi mom, so my face is itching. I just don't know. Samaïsi, Wendy, Natacha, adieu les ER de premier, deuxième et troisième bureau, monsieur Sikombe. Vous prenez l'engagement de l'entretenir de relations charnelles. Mademoiselle, monsieur Sikombe, Tatienne, uniquement qu'avec votre femme et mademoiselle Samaïsi, Wendy, uniquement qu'avec votre mari. Samaïsi, Wendy, Natacha, ici présente. Oh Lord God. Chico, qu'est-ce que tu fais? Oh God. Alors c'est bon? Vous êtes consulté? Natacha, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Sikombe Tatienne Tseyuko Yves Ude, j'ajoute le dernier prénom, Ude, ici présent. Bien sûr que oui. Monsieur Sikombe Tatienne Tseyuko Yves, quel système matrimonial avez-vous choisi? Bien évidemment, j'ai choisi la monogamie, bien sûr. Mademoiselle Wendy, vous pouvez choisir la polygamie, hein, si c'est le cas. Quel système matrimonial avez-vous choisi? La monogamie le va. Vous mettez l'alliance à votre fiancé en récitant toutes les litanies d'amour à son endroit. Ma chérie, mon amour, en ce jour, je te passe mon alliance, je vais faire de toi mon épouse. Je serai de toi la femme la plus heureuse de l'univers. Et c'est pour celles qui sont dans la chambre, elles seront heureuses de toi. Tu seras la plus heureuse. Bouclé devant les hommes, monsieur et madame Sikombe sont mariés devant les hommes à la mairie, c'est scellé. Tout le monde est content, tout le monde est en joie. Vous pouvez voir comment ça déborde. En tout cas, tout le monde était content. Marie et femme.
qu'ils sont mariés, il faut maintenant signer le contrat devant nous. Le peuple a réclamé et le peuple peut avoir le bisou, le premier bisou en tant que monsieur et madame. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que je sais qu'il y en a qui ne le savent pas, ce mariage est un métissage. Le marié est bambouqué tandis que la mariée est de Yaoundé. Si je ne dis pas de bêtises, plus précisément des foulards. Vous pouvez voir les couleurs, la joie. Les maris sont sortis, ils sont en train de se casser le corps. Tout le monde est content, tout le monde est en sec, en train de prendre des photos, des vidéos. Parce que, gars, on est sorti d'un mariage de la gloire, un mariage où vraiment les maris irradiaient de bonheur. Et toutes les personnes qui étaient là aussi partageaient leur bonheur. Vous pouvez voir que vraiment, ils sont en train de nous gâter, ils sont en train de se gâter là. En tout cas, le premier stress de la journée est en train de sortir. Et ensuite, on va voir comment ils vont pas y casser le corps le reste de la journée. Mais bon, là, 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 ça s'est bien passé, donc on rend grâce à Dieu. C'est donc ainsi que s'achève la mairie. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie du mariage. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de souscrire à ma chaîne.